Andreas Wecker, ancien champion de la RDA, qui est devenu bien évidemment représentant de la République fédérale d'Allemagne depuis 2 ans et qui pourrait réussir un joli coup ici en Australie. Deuxième des championnats du monde à Indianapolis et champion d'Europe en 89. Il est encore très bon. Deuxième à Birmingham. Il réussit là, Michel Boutard, de superbes enchaînements. Oui, très puissant, spécialiste des éléments de force. On voit une croix renversée parfaitement maîtrisée, qu'il remonte avec beaucoup d'aisance. Voilà, une planche libre. Ça ne bouge pas, il n'a pas l'air du tout de forcer. Il s'établit en temps de ventre jusqu'à la croix équerre. Une dislocation et un trop libre attendu. Voilà, une lune. Deuxième lune. Bien bloqué. Équilibre. Tendu. Et la sortie double tendue. Et il est encore très très fort, Andreas Wecker, qui avait fait un formidable exploit aux Internationaux de France à Bercy, en réussissant à la barre fixe une lâchée de barre superbe. Il y avait le Gaylord. Oui, et il y avait plein de choses. Il enchaînait surtout 2 Kovacs au temps et c'était une première mondiale. Il ne l'a pas réalisé souvent, mais il a pu le faire à Bercy. Voilà, Andreas Wecker, peut-être aujourd'hui à Brisbane, le roi des anneaux, mais il y a encore de sérieux clients avec Jurikeki Litt.